Soyez vous-même. Soyez vous-même. OK? La sardine, quand je te vois dans ma cuisine, je souris. La sardine, à l'internat, voilà, avec ton frère Tapioca, le Namo Wondo, le Ko Wondo, voilà. La sardine, le nom sardine, Soyez vous-même, hein, ne trompez pas les gens. Anouama, l'huile de ça. Voilà, je mouille mon pain au calme. Et de comment mougou. Appelez-moi les cuisiniers de Facebook sans exception. Voilà, premier avertissement, il y a beaucoup de ultimatum. OK? L'huile d'olive, quand je te vois couler, j'ai confiance, ce qui ira dans mon soubassement. J'ai toujours besoin d'avoir des forces pour attaquer ma ferraille. Je m'en fous, ceux qui sont au restaurant. Bien sûr, avec la sardine fait faire des économies. Si tu es ici en bingo, mes collègues sont au restaurant. Moi, je suis ici. Parce que oui, ma souffrance, c'est pas que pour moi tout seul. La sardine, la sardine, anoma l'huile d'olive pour accompagner la sardine. On dit que les gens sont sardines. Ils ne savent pas que oui. Si c'est moi, j'accepte. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne suis pas mes camarades. Sur Facebook, il s'est dit qu'il est zili. Mais lorsque ses nombreuses visiteuses viennent, lui prouve qu'il n'est rien. Vous avez vu chez la dans mes camarades, avec du camarade. Est-ce que de comment vous pas accepter ça? Non, de comment vous n'est rien, mais il ne se laisse pas faire. C'est pour ça que oui, ma foule n'a jamais réussi. Ce qu'elle a réussi avec les autres, je suis Lolo Foja. Je sais pourquoi je suis avec Lolo Foja. Ne venez pas me poser des questions, je vous dis aujourd'hui, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Je supportais déjà à cœur ouvert. Ce n'est pas les histoires à cœur, façon là-haut. Si vous venez dans mon église pour que je parle des autres, vous avez échoué. J'aime mes gens, vous aimez vos gens. Ne venez pas ici, mes gens. Matt, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up. Lucia, big up, 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 big up. Bon appétit, mes décommiers. Voilà, que ce soit ceux qui ont déjà mangé et ceux qui sont à table. Voilà, bon appétit. Voilà, je suis le pasteur supérieur de la toile camerounaise. Je vais vous dire pourquoi. Toutes ces stars-là ont eu à me confirmer. Même si ça vient dit quoi aujourd'hui. Voilà, ça... Et j'ai toujours dit, hein, toute personne qui a déjà eu à Dakoriza de Komamou, vous allez voir, regardez Dougoutigui. Regardez Dougoutigui. Regardez Sheila. Sheila dit au public de Dougoutigui que non, de Komamou, c'est un gars bien. Parce que s'il était comme les autres, Dougoutigui allait lire, il allait sortir.
C'est la même chose avec la Gabonaise. Ok, la Gabonaise, c'est la porte de mes deux petits frères. Hey, imaginez-vous. Hein? Hein? Donc, ça veut dire, si je puise là-bas, là, et comme je suis quelqu'un, voilà, si je sens que le problème peut toucher beaucoup de personnes, ça peut créer une psychose, je ne dis rien. Parce que même en sortant, ça pouvait toucher aussi la Gabonaise, ça pouvait aussi toucher celle-là. J'ai dit, bon, voilà, je vais réfléchir avec ma petite intelligence du village. Voilà. Donc, mes gens, premier avertissement, appelez toutes les cuisinières de la toile camerounaise. Voilà. Bipé, Waros. Voilà. Pâte de caïman, peau de caïman, grenouille, le ventre comme une grenouille. Voilà la tête, voilà comme la peau du crabe, hein, la coque du crabe, voilà. Tu comprends, Waros, tu mets des têtes de mort dans mes publications, voilà. Je tire les oreilles à celle-là, voilà. Je tire les oreilles à celle-là, tu viens mettre les oreilles. J'ai même mon colis, voilà. Tu sais que bien, Waros, tu es la première cuisinière là sur la toile que j'avais touchée. Dieu, et c'est pour ça que tu m'avais mis auprès de toi. Donc, peut-être que tu étais intelligente. Tu comprends? Parce que tu avais compris que oui, hein, le portefeuille de Nathalie Babalé, okay, que j'ai toujours, parce que nous sommes toujours dans le même combat. Est-ce que tu comprends? Tu mets les têtes de mort dans mes directs. Tu comprends? Que ce soit la rose, que ce soit toi. Voilà. C'est des patates du même sillon. Et j'ai dit, vous qui faites à manger là sur Facebook, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Quand vous cuisinez, tant que vous ne respectez pas ce que je vais vous dire, là tout de suite, vous serez boycotté. Ouais. Et vous savez que mon église, c'est moi qui crée les vibrations tempêtes, hein? Ne croyez pas. Ouais. Il dit, ce que je vais dire tout de suite là, ça c'est un premier avertissement. Abonne-moi, Loré, tu m'attends. Ok, vous qui faites à manger. Waros, il t'avait touché aux côtelettes. Ok, propre. Kimbo Jimbo était mort. Je t'avais mis ça propre. Il dit propre. Après avoir aboyé comme un canis sans mort. Tu as fait un direct, tu as dit de Koma Mugu, je te remercie parce que quelque part, oui, malgré les frappounements, tu dis vrai. Je ne peux pas te moucher avec la gamelle au feu. Les condiments sont là, moucher, tu ne peux pas te moucher parce que vous avez toutes les petites maladies. Mimi Bel Mimboumen, vous avez des tout. Vous avez des grosses langues, vous avez des ceci, vous avez tout, ab, hépatite, ab, ceci, vous avez même des mycoses, hein, sur des langues, hein, ab, champignons, vous avez des, comment on appelle ça, ab, chaud des fils, ab, syphilis, ce n'est pas moi qui dis, c'est vous-même, quand vous vous framponnez, vous là. Ok? Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, la personne qui ne va pas respecter ça, ok? Je vais mettre ma vie en jeu. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez avant que je ne sorte la bombe. Ouais. Mettez les cœurs, caressez vos jolis doigts. Je vous dis, vous êtes des femmes. Ok? Parce que c'est ce comportement-là. Ne croyez pas seulement qu'elle se salissait toute seule. Non, même vous, même les Camerounais, vous allez inviter les gens à manger chez vous, hein, recevoir les gens. Ils vont faire allusion, c'est parce que l'image, ça c'est spirituel. Voilà. Waros, tu avais dit que je ne peux pas te binda. Si j'avais dit de te binda, ça aurait été le premier jour. Je ne connais pas.
la qualité de Aban, on appelle ça en Biti, Aban et Wundu, Aban, la jalousie. Tu mets les têtes de mort, hein? Tu mets les têtes de mort. Toi-même, tu framponnes, tu as viré, hein? Tu as viré celle-ci. Tu l'as viré comme une moindre rien. Et toi, tu viens mettre les têtes de mort sur mon colis que j'envoie à Patayem. Je suis essentiel. Voilà, quand tu es bon. Allez, voici mon bureau, voici mon bureau. Partagez nos maisons. Voilà. Femme du Syrien, d'Italie, biga, biga, partagez. Tropico. Voilà. Vous êtes malade. Vous voulez finir, hein? Avec la bonne réputation de la femme camerounaise. Hein? La bonne réputation. Vous dites que vous êtes des cuisinières, vous êtes des blogueuses. Hein? En plein direct. Non seulement vous avez des gros ventres, c'est pas parce que c'est une bonne vie. Hein? Des maladies. Hein? Abscessi. Vous avez abépatite. Vous avez abscessi. Hein? Et il y a d'eau que les narines sont bouchées. Avec des côtes, tout ça là. Hein? Et on vous dit, hein, il y a des commentaires qui vous fassent comprendre que oui, hein, ce que tu fais là n'est pas bien. Vous commencez à dire que oui, vous les Camerounais là, vous ne voulez, vous êtes. Tu es en train de faire manger. Hein? On sent que tu es malade. Hein? Ça dit, rien que la morphologie nous démontre que non, ce n'est pas parce que tu manges bien, tu vis bien. Ben non, c'est des petits bobos, il y a d'autres, voilà, ils ont de la boulimie, 24, hein, vous êtes là, vous cuisiniez, vous écrasez les condiments, et c'est vous, miat, tout me boum, et c'est si, arrêtez ça, partagez-moi ça, viens t'asseoir ici, tu as mis les têtes de mort, tu m'as bloqué pour venir en Caïman, et en plus tu viens mettre ça, hein, avec ta page, tu comprends, non? Parce que tu veux que, voilà, me beboua. Mais je ne veux pas parler de toi comme tu aimerais. Venez. Vous allez venir me dire que les papiers de Longchamp sont beaux, les Kounagouro sont beaux. Voici ma beauté ici. Ouais. Vous allez venir me dire que oui, hein, de comment Mougou, tu ne peux pas parler avec elle, tu parles avec les gens qui te dépassent. Moi, je montre pour moi, qu'ils me montrent ce qu'ils font pour qu'on puisse dire que oui, ça me dépasse. C'est ça. Benabe Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Oui, moi, je suis ici. Merci, Francine. Mbolango, merci. Bipé les voisins. Walos va se calmer. Parce que c'est d'Élise Battante. Moi, j'avais déjà dit à Élise Battante que elle n'est pas celle-là qui peut faire défi avec une catégorie de femmes. Voilà. Rien qu'avec ce que ma foulée avait fait. Elle a commencé à insulter toutes les filles et camps, même coach qui est là-bas en Suisse. J'avais plus le problème de coach. Bipé, ce n'est pas elle. Vous voyez Aline. Aline a sorti le micro à nos wamans. Hein? Aline. Hein?
même au niveau de Boto, toi, Elise, tu veux framponner Aline. Au niveau du palais, tu veux framponner Aline. Tu dis qu'il n'y a rien. Il y a Benjina, Elise. Hein? Je vous aime, mais parfois, disons-nous souvent des vérités vivantes. Que ce soit le concrasse, que ce soit, que ce soit, que ce soit. Elise Batan, Woni, Bibibab, Makan, Woni, Mbe, Makua, Dwap. Hein? Makua, Dwap. Et déjà, ce n'est pas la même taille. Il y a un sein qui arrive au genou, l'eau qui arrive au nombril. Hein? Et toi, tu veux t'attaquer à une gaka. Hein? Elle maîtrise les couleurs du soleil, les textiles, voilà, des saisons. Tu as vu? You know? Je te dis, quand je fais mes directs, hein, c'est pour dire ou Kalga, ou Kalga, ou Kalga. Elise Batante, ou Toya. Oui, je sais que oui, je t'avais beaucoup touché, maintenant tu te modifies. Hein? On te dit souvent un peu que oui. On dit que l'autre, comment il s'appelle celui qui brisait souvent là. Parce que depuis que Frère Lille t'a mis de côté, il n'y a plus Monsieur Auguste, ses yeux ne souffrent plus. Hein? Oto, il y a dans les combats, il te dit, le combat de Zong Loa là, la façon que tu pratiques ça, n'est pas du tout commode. Ok? Voilà, le Zong Loa hein, emploie tout le monde. Tout le monde, les Bamiles qui sont versés dans ces entreprises, oh, ah. Mais toi, tu viens même pas exception, hein, sans exception. Wayen, Atata, Aline. Et vous qui dites que oui, vous qui franconnez Aline, Aline n'a pas fait allusion à Elise. C'est Elise qui bip. J'espère très bien que Aline avait fait un duel, hein, que oui, elle a d'autres numéros. Hein, si vous avez gâté celui-là, elle a d'autres numéros. Donc, elle ne conjuguait plus ça. Hein? Et toi, Elise, Wakusua, hein? Parle des gens que tu as envie de parler. Laisse. Même si c'est elle qui avait ramené le numéro, ça fait quoi? Hein? Est-ce que ça conjugue encore? Hein? Pourquoi tu ne peux pas comprendre que bon, si on a donc alors donné l'argent aux autres, hein? Ça voudrait dire que oui, pourquoi Wai, tu vas la blesser? Tu vas aller la blesser. N'importe quoi. Moi, voilà ça. Aline, elle commande des tenues. Le matin, elle est sans caleçon, avec un petit truc qui arrive au niveau de Mikarmakan. Elle va t'insulter ces jours-ci. Ça monte en puissance, comme vous ne voulez pas comprendre. Il y a certains combats que laissons ceux qui m'écrivent parler. Et nous, nous sommes derrière pour les encourager. Ok? Faites comme moi. Faites comme moi. Moi, quand j'étais dans le combat, j'écoutais les zougous. J'écoutais les gros poissons. Quand ils finissaient de débroussailler, moi, j'ai ramené mon râteau seulement pour enlever. Je me dis que j'ai mis woke, mis calga. Vous venez là, vous mélangez tout. C'est un combat. Voilà donc alors ça qui a pourri. Jean Langrine, biga, biga, biga. Merci, merci. Et c'est la belle France, tout simplement. Dabouti, biga, 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 biga. Bipé les voisins. Je veux parler aux cuisiniers. Big up à toi, les trois tribunes. Tu as pris beaucoup de temps hein, dans mon colis. Okay, beaucoup de temps. Et celle qui a les pattes en forme de queue de rat là, je vous ai donné l'opportunité. Hein, je vous ai donné l'opportunité. Et toi, Tribune, tu as eu. Moi, je suis seulement là pour la bouche de la catégorie Mikalga. Voilà. Ben Black Booty, ben Toby Chou, mon petit père, mon seigneur. Voilà, qui dit qu'il prend un peu de vacances, il nous revient, si c'est le 12 mai, je ne sais pas, l'anniversaire de ça. Donc, bipé, 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 bipé. Je ne suis pas les Kunaguru. Ils vous disent qu'ils sont ceci, ils sont cela, mais ils ne vous manquent pas. Mais voici, voici ma saleté. Voilà, voici ma saleté. Même au travail, toujours choco, toujours, toujours.
Merci, merci, merci. Partageons, non? Je vais y apprendre les cuisinières. Premier avertissement. Et ce qu'elles devraient faire dorénavant. Parce que tu es là. Tu peux manger. Voilà. Abre condiment. Abre ceci. Et tu es fâché parce qu'on t'a insulté quelque part. Bon, 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 bon. La salive qui sort là. Est-ce que tu es en bonne santé? Non. Tu fais des bouchettes devant les milliers de personnes. Hein? Fais aussi un peu comme les Wad, non? Trompe un peu la vigilance des gens, non? Trompe un peu la vigilance des gens. Porte les gants. Non. Ça critique tout. Partagez, partagez. Moi, je vais manger des sardines. Et tant que les femmes-là ne font pas ça, les cuisinières-là ne font pas ce que je veux leur demander de faire, ok, ne commandez pas. Allez chez Julie. Vous allez voir la propreté, les cuisinières, bien coiffées. Mais mon ami, il y a une dame là-bas là, quand elle me fait les jarrets de porc. À nous, on m'a dit, alléluia, amen. Tant qu'elles ne vont pas respecter ce que je vais dire là, je suis le pasteur supérieur de la toile camerounaise. Elles m'ont confirmé, Mapo m'a confirmé, Lolo m'a confirmé, et celle qui a de la peau de Caïma m'a confirmé, la mandante m'a confirmé, qui ne m'a pas fait confirmer, Kimbo Jumbo, tout le monde m'a confirmé. Elle dit oui. Caresser. J'avais transformé, on vous insultait beaucoup. Hein? Le refoulé venait ici, il disait que vous avez des gros doigts, vous avez ceci. Moi, j'avais transformé ça en fourchette. Ça veut dire, quand tu regardes tes doigts là, ok, même si ça apparaît intime, ça dit dans ta tête, ça va cramponner que c'est des fourchettes. Mais je n'avais pas transformé pour Walus. Regardez très bien quand Walus pas mettre vos ongles là. Vos ongles là. Regardez. C'est comme des goudins. À nous, on peut voir. Didier. Didier, je suis encore au courant de toi. Écoute ce que je vais te dire sur ton ganda. Si tu ne respectes pas ça, tu vas aller là. Mais Jean, c'est toi qui dis que oui, tu as besoin du public de Facebook. Parce que pour eux, pour elles, c'est le public de Facebook qui vient manger. Ça ne fait pas allusion aux gens qui sont en caïman, qui ne se prononcent pas. Hein? Les faux profils qui peuvent appeler que oui, fais-moi un plat. Ça croit peut-être dans leur tête que c'est les nous et consorts. Non. Il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent. Quand nous faisons la talakou d'une cuisinière, hein? Vous allez seulement y a la queue. Hein, est-ce que je peux avoir les jarrets de bœuf, ainsi de suite? Tu sais que hein, ça commande, hein, ça sort d'où? Hein, ça commande là, hein, elle commande, parce qu'elle a y'a où? C'est nous, c'est les nous. Mais comme vous voulez, je vous l'ai appelé, mais mes mines, pap! On va aller chez Julie. Ça veut dire, tu vois que bien comment le cuisinier se comporte. Ce n'est pas le Congo sac caché là-bas, là. Toi, tu es dans la salle. Tandis que l'autre, la veuve est en train de. Parce que, ne regardez pas seulement ça. Je dis que même quand elles ne sont pas en direct, ça gratte. Ça gratte. Hein? Et non seulement elles ne sont pas arquées. On peut dire que oui, il y a de l'espace pour respirer. Non. Voilà. Les cuisses sont serrées, les fesses sont serrées et tout ça. Et les mauvais dessous.
les dessous de mauvaise qualité, les mauvais textiles, la transpiration, imbuba ya, imbuba bikirgalé, comme diman et ano wa mama sabé, nok mama sabaki. Si vous ne faites pas ce qu'elle vous dit aujourd'hui, vous allez dire. Après avoir boyé au moins 13 ans, poivre seul, en pleine mer. C'est ça là. De toute façon, moi j'ai dit, voilà le soleil. Va nager à la piscine de la Carcassonne, j'équipe Facebook. Comme vous voulez que j'équipe Facebook, j'équipe Facebook. Va encore dans le petit rayon de Didier là, là où hein, il est le boy de tout ces gars là. Tu comprends? À la fin du mois, ils viennent tout prendre. Hein? Tu y as que les Espagnols quittent en Espagne pour venir la fistouler Didier. Ndouwek, avec ton dim ventre là, tu crois que comme ton ventre est avancé, hein, ça va plus courir à nos wama. La dame de ça. Vous avez déjà vu une grenouille d'ail. Vous trouvez une grenouille d'ail à plat, dos au sol, le ventre en l'air. Regardez. Quand elle émet la reine mère bio, que le Congo dit bon, il faut voir la tête. Il y a une race de pommes de terre là, ou alors la coque d'un crabe. Il faut voir. Elle ne peut pas faire le direct sans filtre. Mais j'aime. Elle dit que oui, la peau de, ce n'est plus la peau du caïman, c'est devenu la peau d'un être humain. Franchement. Mais c'est-à-dire, vous là, vous qui faites les téléphones là, avec les filtres, les options et consorts, vous qui avez mis l'abonnement de certains filtres là, merci beaucoup. En un moins de temps, comme ça là, ce n'est même pas que l'anga a le temps pour souvent tremper ses pieds, chaque temps. Tout son temps, c'est chiffré, même quand elle va manger. Vous voulez quoi? L'eau que là-bas là, et il y a des followers qui lui disent que oui, hein? Toi, tu ne comprends pas. Normalement, essaie un peu de nettoyer ton image. Voilà. Porte les gants avant de piquer les brochettes. Elle dit que oui, le Camerounais est revendicat. Le Camerounais est revendicat. Avec ta salissure là, fou. Hein? On vient te donner des conseils, les gens qui t'aiment. Hein? Que bon, voilà. Mets les gants avant de piquer les brochettes. Hein? Toi, frère, il a dit qu'avec ta Ndimlang, le Camerounais est revendicat. Le Camerounais est revendicat. Toujours. Et c'est la belle France. Ça n'a pas beaucoup coûté. Yéba, ça, si c'est quoi? Si c'est 1,75, le pain, la baguette, avec ça. Au calme. Tu vas voir, ils vont venir m'insulter. Ils vont venir dire que, regardez, tandis que nous allons au restaurant, lui, regardez, et ils ne vont jamais vous montrer là où ils ont été au restaurant. Hein. Mais Jean, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut marquer en commentaire. Warus, la toile camerounaise ne sait pas dans quel état de santé tu te trouves. Tu comprends? Et si tu veux éviter ça, ne fais plus les diètes en cuisinant. Donc écoute ce que tu dis à partir d'aujourd'hui. Tu sais, la première fois, ça avait fait nougrou, n'est-ce pas? Je suis venu te consulter en venant sur l'Est. Dorénavant, la rose 237, Warose,
Parce que quand moi, quand nous, y compris, surtout les gens qui commandent, vous n'êtes pas en bonne santé. Ouais. Que ce soit physiquement, ok, que ce soit, je ne sais pas. Donc, dorénavant, Warus, si tu fais à manger, Warus, Rose 247, à chaque fois que vous allez faire à manger devant les gens, des milliers de personnes, ok, les gants obligatoires et le babouin, Nda Dilmakat, parce que n'a rébétil de confiance. J'ai dit, écoutez-moi très bien, la Rose 237, Warus, tentez encore d'allumer un direct en faisant à manger sans babouin, sans gants. Vous allez les leurs. Voilà dans ça, parce que vos morphologies là, Warus, déjà, ton gros ventre, ce n'est pas que tu manges bien, tu as une belle vie. Et toi-même, tu le dis souvent. Tu comprends? Et c'est toi, les mauvais te coudent dans les narines H24 à non tomber comme un mouton. Ok? Vous ne pouvez pas être en train de cuisiner. Vous êtes... Même ça, c'est pas... sans aller laver les mains. Chez Dendale, tu dis que oui, hein? Laver les mains est mieux que porter les gants. Mais on te dit, mets quand même les gants, parce que tu as déjà ça sur Facebook. Il va falloir que tu fasses un direct et demander pardon aux gens pour que cette salissure-là essaie un peu. Si tu comptes sur la visibilité de Facebook pour venir commander tes plats, tu ne fais pas allusion aux gens qui sont neutres, qui sont là, qui nous regardent, ils ne commentent même pas, voilà, hein, qui ne veulent même pas connaître, qu'on maîtrise leur vie, hein, qui peut passer des commandes. Warus, la droite camerounaise ne sait pas dans quel état de santé ou ne, tu comprends? Ou alors, tu n'as pas fait les examens, hein? L'examen de la gueule, l'examen de la gorge, l'examen de ton intérieur et tout. Parce que c'est vous êtes... Attends, on dit souvent quoi? Parce que je voyais souvent... Vous êtes dérangé dans la tête. Hein? Avant de clouer le mot, vous êtes dérangé dans la tête. Et c'est un traumatisme. Et les gens qui sont traumatisés, vous allez toujours voir, ils ont toujours des gestes. Quand vous voyez quelqu'un, hein, et c'est vous aimez fouquer les doigts dans les narines, c'est vous qui assez me boire, et c'est vous qui grattez. Non seulement, vous ne prenez pas vos douches, parce que quand on voit, hein, votre actualité, direct, une des femmes. J'ai dit, la veuve, la rose, la prochaine fois que vous faites, ou alors, faites vos nudités là, sans faire des directs. Donc, ça veut dire, si vous ne mettez pas les gants, parce que vous avez des doigts, vous avez des mycoses entre les ongles, ok, des mycoses, des minines, ok, et champion, tout ça. Et ça veut dire, ce qui sort de là, dans vos baves là, hein, vous êtes tout le temps, chaque temps malade. Ok? Donc la veuve, Nadir Makarwa, la prochaine fois que tu fais manger devant les gens, tu comprends? Tu mets un babouin, le masque, tu comprends? Même le masque ne peut même rien, mais ça limite quand même. Tu comprends? Le masque et les gants. Waouk, voilà. Toi, la rose, comme tu continues à jouer le Lulu Berlu, va écouter l'étoile tribienne et va écouter celle qui a des pattes en forme de queue de rat là. Elle avait porté une tenue camouflée pour toi. Parce que elle porte la tenue camouflée sur les mougou. Moi, de comment Mougou, le joueur avait annoncé que oui, de comment Mougou, je veux porter la tenue camouflée pour toi. Nous n'avons pas vu la tenue camouflée, mais c'est plutôt mon perroquet, mon ancien perroquet, qu'elle voulait sa mort. Mais gens, il y a des gens qui souvent que oui, on pas beau laver de comment Mougou.
on peut boire la veine de Komamugu. Dès que ça arrive à destination, ça dit l'essai de Komamugu. L'ancien perroquet là. Ouais! L'ancien perroquet, qu'est-ce qui ne va pas? Tes multiples compagnes là sont où? Ça ne lève pas. Ça ne réagit pas. À nous, Wama. Mais Jean, Facebook, c'est la magie. Ça veut dire, mais Jean, qui va se négliger? C'est mon bureau, c'est mon bureau. C'est mon bureau. Mais Jean, on va un peu parler de mon ancien perroquet. Ouah! On va un peu parler de mon ancien perroquet, mes gens. C'est pas méchant. Vous savez que mon ancien perroquet, il avait cru que oui, il avait appris de la jugeote. Il a bipé tous les gars. Oui, je vais répliquer. Droit de réponse. Parce que ce qu'il y a eu chez. C'est là. Oui, hein? Je n'avais pas été bien compris. Donc, je vais répondre parce que ça commence. Il fallait voir là-bas, là. Abusta Bakata, Abusta Tchananimbang, Abusisi, Abusela, wo, jusqu'à Majina Kenkamanga, Kouya. J'étais en caïman, je disais toujours que non, le mec n'a pas d'inspiration, ça dit c'est ma récupération. Donc ça veut dire, depuis le passage, cette fabrication là, hein, à ses anciennes victimes, à Banabasesio, le gars fait les publications depuis 3 jours. Je ne lis pas. Il n'y a qu'à Diza Marès qui est fidèle. Caressez vos jolis doigts. Je dis que Facebook, c'est la magie. Moi-même, j'ai ri aujourd'hui. Je ne connais pas mon lendemain. Mais Jean. Mais Jean, vous-même, imaginez-vous. J'étais là. Tout le monde était là-bas, là. Hein? Non, pasteur, vraiment, la femme, hein? Et il a mal fait. Il fallait que ça se règle au noir. Wow. Le morgue, là, ceci, cela. Wow. Mais c'est quand les poumons ont commencé à se dérouler là-bas, là. Les femmes, pour les mains, en Kelenga, c'est là où j'ai encore doublé mon ancien perroquet, mon canoë. Les insultes de ça. Et le gars ne disait rien, il dit que tcha! Mais Jean. Donc, tous ces jours-ci, je ne sais pas. Ma fabrication ne peut pas aller dans l'eau, je vous avais dit. Hein? Je vous avais dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant a déjà 18 ans. Hein? 18 ans. Hein? Il ne va pas à l'école, mais il veut seulement rester à la maison. Moi, il sort. Mais Jean. On a oublié le perroquet, l'ancien perroquet. Les publications de 3 jours. Alors, on a parfois, il n'y a aucun commentaire. Il n'y a qu'à 10 marais. À 10 ans, marais. Ok? Je vois. Mais Jean, vous avez vu ça où? Et en Côte d'Ivoire, on avait voulu faire ça à quelqu'un. Comment la chaîne là? On avait dit que son cousin Alain Rabi la vedette, toute la Côte d'Ivoire s'est levée que non, c'est pas normal. J'ai compris que ce soit Mafo, que ce soit les Sabrakata, que ce soit les Atalamimba, c'était pour aller lui dire que Oudindouadoudi. Et quand les gars l'avaient, que merde. Ce n'est pas ce que j'ai dit souvent que les victimes tombent amoureuses de leur gourou en prison. Ça veut dire que quelqu'un te viole, hein? Quelqu'un t'agresse, ça goûte en prison. Hein? Ouais, tu étais au tribunal, hein? Tu as vu comment on l'envoie en prison. Et après, tu rentres chez toi.
Hein, au lieu de soigner ton, comment on appelle ça, là, ta dépression, là, tu tombes amoureux. Et c'est toi la victime, tu vas en prison, à Paloa ou à Kiribidi, tu peux faire des petits bisous. C'est pour ça, j'avais dit que mais les stars Brakata, les Abanabas ici, vous êtes allés là-bas et il fallait voir Star Brakata. Là-bas, là, Bebala, c'est elle qui dirigeait le direct. Non, l'ancien perroquet, le refoulé. Hein, il fallait demander plus particulièrement pardon à Mafou. Ouais, Mangaba, Kaïman, Kanan, mec. Hein? Mais il fallait voir Star Brakata. Il dit que, mais en même temps, il dit que, mais Langa, si hein? Tu as failli perdre ta vie ici, hein? Tu as failli perdre ta vie ici. Hier, Benjina, moi je suis venu lancer un direct. Il dit que non, c'est vrai, c'est que je vois souvent à la télévision que les victimes tombent amoureuses, voilà de leur gourou. Ouais, mais. Aujourd'hui, c'était pour aller lui faire le hop à cœur. Maintenant, nous pouvons te parler comme nous voulons. Et à Anouama. Perroquet, mon perroquet, je ne t'avais pas fabriqué pour rester à la maison et faire les pouces à 2 balles. Ok? À parler des bibles. Voilà. C'est tout juste pour te faire comprendre que c'est moi qui te présente dans Angelo Black. Ok? Tu étais avec moi H24. Là où toi, tu n'es pas honnête, tu étais avec moi H24. On passait des heures. Tu as parlé avec ma famille, mon entourage. Voilà, moi, je te disais au moins hein, des choses de moi. Mais jamais toi, tu n'avais été précis. Bon, bien sûr, je ne pose pas de questions si on ne me dit pas. OK? Donc, dans une oblique, une fois dans Angelo Black à l'église, Ndonga Kana, de comment Mugu, laisse-moi un peu. Et c'est toi qui se plains, de comment Mugu n'appelle pas, de comment Mugu ne fait pas ceci. Mais attends, nous sommes en Bengue, on n'est pas là pour passer des heures au téléphone. Voilà, que ce soit dans Angelo Black, même du Kamer, vous pouvez demander à du Kamer, il va vous dire que, même dans ma bulle de blogueur là, de comment Mugu, voilà, il vient de temps en temps. C'est que vous me reprochez. Ok? Quand vous ne me voyez pas, je suis en train de faire ça. C'est ça qui est ça. Je ne suis pas là pour venir parler comme les autres. Ok? Je ne peux pas te prendre là où tu étais, Yassali. Non seulement on ne te connaissait pas. Hein? Là-bas, là, tu as dit à l'église, en venant à l'église, que oui, tu n'as rien gagné, que ce soit de l'argent, que ce soit quoi, que ce soit quoi. N'est-ce pas? À la base, moi, après une année hein, à m'insulter sur ma page, mais je ne te bloquais pas. Je ne te bloquais pas. Voilà, j'ai bloqué les autres, mais je ne te bloquais pas. Le perroquet, l'ancien perroquet, je ne te bloquais pas. Voilà, tu m'as appelé, hein, tu as tellement rigolé, au moins 5 minutes. Voilà, j'étais là, je t'écoutais. Je t'enlève là-bas, là, pour que tu viennes un peu te blanchir. Tu t'es blanchi. Tu n'as pas pensé autant que lui, à femme. Dis au public que oui, j'étais à la basse, mais je ne suis plus à la basse. Hein? Je me suis reconverti, ainsi de suite. Moi, j'étais là pour parler au Kamwa la panthère. J'ai mené mes combats partout, on t'insultait. Et toi, tu arrives ici. Voilà. Non seulement, il faut que tu te dises une vérité. Que ce soit l'histoire de mon fils, là sur la toile. Voilà, tu m'as compté 2 fois. Voilà, tu m'as compté 2 fois. Ça veut dire, nous sommes à l'église, tu interviens à l'église, en même temps du Kamer et en direct, tu descends pour aller appeler chez du Kamer, tu framponnes, tu dis que oui, je ne suis pas honnête. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu l'avais dit. Hein? Tu avais été viré, ce n'est pas la première fois que je t'ai vu. Je t'avais viré, il avait fallu même les membres hein, en Anouama, ils mettent ça hein, Jenny Junior, elles ont pris des tasses hein, elles ont été framponnées pour toi, framponnées ouais
parce que je disais que non, laissez-moi, je sais ce que je fais. Ça veut dire, l'histoire revient là. Nicole Ketcha, Isaacam, ramène encore l'histoire. Tu pars, tu appelles Dangereux Black pour te prouver que moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle tout. Ok? Quand tu as parlé à Dangereux Black m'a appelé. Il m'a donné des conseils qu'il m'avait donné. Ça, quelqu'un qui donne des pareils conseils mérite d'être payé. Tu comprends? De comment vous faites ceci? Parce qu'il avait cru à ce que toi, tu lui avais dit. Tu comprends? Voilà. De comment vous faites ceci, fais cela. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça veut dire une histoire sort là où ton nom est, tu connais l'histoire. Langa flirta avec toi. Vu qu'on a orienté Langa chez toi, tu as commencé à flirter avec Langa. Tu ne m'avais pas dit, hein. Comme les autres, que les stars Bakata, les panthères du zoo, c'est toujours dans les Kongoussans, ta façon d'évaluer. Hein. J'avais compris que oui. Tu es monté à l'église ici trois fois, me dit que oui, ma femme, Manga, ne veut plus, ma femme ne veut plus que je vienne à l'église. Tu avais vu? L'intelligent de Komamugu. Enfin, si ça peut nuire à ton couple, vas-y. Est-ce que tu m'avais dit, vu, dit que Aka laisse les Ngala, comme les pasteurs font souvent, hein, aux femmes qui viennent dire que non, mon mari dit qu'il ne veut pas venir. Tu comprends? Je suis quelqu'un de réfléchir mille à l'heure. Ne me voyez pas comme ça. Donc, ça veut dire, tout ce que tu faisais derrière, j'étais au courant. Mais je disais quoi? Nous sommes des bonhommes. Si tu vas draguer une gars, hein, dont ton ami Frampon, tu comprends? Si l'angala te dit, bon voilà, hein, tu dis que tu m'aimes, alors que tu es avec quelqu'un qui me Framponne, tu peux m'envoyer au grillage. Nous tous, nous connaissons ça. C'est pour ça que j'avais toujours laissé. Est-ce que tu comprends? Donc, toutes ces gars-là, tandis que tu étais là au noir, moi j'avais les remontées. Est-ce que tu comprends? Le retour, hein? Mais je ne disais rien. Mais constate seulement, quand j'ai arrêté d'intervenir chez toi, tu comprends? Et j'ai partagé. Et après un moment, j'ai arrêté de partager. Réfléchis. Et quand j'ai arrêté de partager, tu sais, c'est moi qui faisais la petite église. C'est moi qui partageais la petite église. C'est quand je partageais la petite église que la petite église avait quelque chose. Regarde actuellement. Ça veut dire, quand je dis vous qui étiez à la base, vous les jeunes là, ok, je ne sais pas ce qu'on vous avait donné là-bas, ou alors vous êtes ancré, hein, dans cette secte-là, ok, déjà avec, je ne sais pas, le grand traumatisme. Donc, moi-même, hein, y compris moi qui avais pris l'avion, hein, il avait fallu. Oui, parce que quoi, même les zones de turbulence, malgré on venait nous dire, on m'avait dit, non, ne te fais pas de bulles, c'est un temps, ça va passer. Mais arrivé à destination quand même, ça me traumatisait toujours, je revoyais ça. Ok? Donc, faites vos clics, c'est pas comme ça. Et j'avais compris que le pasteur Tonje, qui m'appelle, ok? Ça m'appelle, n'est-ce pas? Pour que quoi, nous puissions résoudre le problème à toi, parce qu'il croyait qu'on avait un problème à toi, toi, Dangereux Black et moi. Voilà. Nous avons causé au moins 1h30, n'est-ce pas? Au moment d'aller faire mon direct, dit bon, pasteur, voilà, comme j'avais programmé, il me dit, est-ce que je peux faire monter ton frère? Toi, tu arrives, et il sait, je lui avais dit, ça pouvait attendre demain. Il a dit, ouais, que 5 minutes. Hein? Tu viens là, tu dis, même pas un bonsoir, pasteur. Hein? L'heure est grave, il faut qu'on sauve l'église, tu es manipulé. Attends. Oh. C'est pour ça que je suis venu lancer mon direct. Voilà, et mets que ça, là où il faut. Parce que tu avais dit, si je ne fais rien, à Nango, du Cameroun, j'ai dit, bon, comme c'est là, comme ça là, et que moi, je ne suis au courant de rien, tu ne m'avais pas mis au courant quand tu faisais les chats avec Langa. Parce qu'on avait orienté. Moi, je veux prouver ma crédibilité que voilà, je n'étais pas au courant. Depuis que vous faites vos clics là, est-ce que Patou et Bongay a venu dire que oui, hein? Vous avez venu dire que non, c'est moi qui mets de comment vous au courant.
alors que l'engagé disait que ça foutait avec toi. Donc, on ne fait pas ça aux gens qui ont le sang, le genre de sang que j'ai. Tu sais, moi, si je marche, quand moi je marche, je n'ai pas les yeux derrière. Je marche librement. Hein? Librement, je dis que librement. Je ne suis pas là comme les papiers de Longchamp que oui, les flics, non, non, non. Parce que je ne me reproche de rien. Je suis celui-là. Donc, sors, frère. Laisse les histoires de Bible, laisse les histoires de prières qui se passent à la grande église. Laisse. C'est ça qui avait fait en sorte que oui, tu commences à faire des roucascasses. Parce que quand tu avais vu hein, ton frère jumeau, dangereux, bleu, les petites musiques, toutes les petites femmes que, oui, tu étais en train de lancer le maïs, se sont versées là-bas, là, ou map, hein, ainsi de suite, dangereux, wou, et comme, hein, ça lave tout le monde, même ceux qui sont au pays, pas seulement les femmes, les billets à curer. Hein? Je suis le maréchal. Ouais. Voilà, Nicole, que tu n'es pas enceinte, hein, et Bertrand Chixemon. Bertrand Chixemon, quand tu ne connais pas, j'ai suivi, Fleur de Lille t'a publié sur sa page YouTube. Voilà, quand je disais, nous framponnons, ok, quand nous arrivons à la bulle, je parle des membres de la bulle, je ne parle pas des gens que j'ai framponnés, ok? Je ne viens jamais faire comme les autres. Quand j'ai framponné, je ne suis pas les Dougoutis, ok? Quand j'ai framponné, oui, dans la vie réelle, je peux comprendre, je peux venir demander pardon. Mais dans Facebook, là, ok, il y en a qui font des conneries, qui ne demandent pas pardon. Il n'y a aucun. Donc, Bertrand Chixemon, je m'adressais aux femmes de l'église. Parce que une église, voilà, c'est une congrégation. Tu comprends, il y a des bureaux, hein? Il y a des diacres, il y a des ci de suite. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire, quand nous finissons à la grande de péché, quand la femme et moi, on finissait, on se retrouvait maintenant parmi nos gazelles. Là. Voilà. Si les gars disent que oui, hein, mais de comme ma femme, vous n'avez pas bien bossé aujourd'hui. Le gars go derrière les Inès et Jenny Junior. Hein, et c'est lui qui me demande de demander pardon à nous, maman. Parfois, j'ai regardé souvent, s'il était souvent à côté de moi, j'allais souvent tourner un gangoumba, madouki. Hein? Vous vous rendez compte, mes gens, je vais en mission sur Toulouse, je quitte au Havre, 12 heures de route. J'appelle ma bulle que, bon, oui, pour m'aider à faire le trajet. Ou à peine entré, ou à femme, il faut écouter, il faut que tu demandes pardon à nos women. Je suis resté comme ça, là. Même il a voulu jouer au lieu la belle lui. Hein? Mais Jean, je les ai raccrochés au nez. J'ai continué mon chemin. Durant tout le chemin, c'est Tchong tête que je framponnais. Quand je suis arrivé à Toulouse, hein, ma femme avait lu l'heure. Nous sommes là sur la toile, nous sommes des hommes. Laissons un peu les femmes. Vous là, vous démontrez. Voilà Dougouti. C'est là, elle venait finir avec. Propre dans son direct. Allez voir les cœurs. Je ne suis pas comme les autres. C'est là, a dit, c'est de Komamougou. Parce que hein, s'il fallait mettre sur un tapis et fouetter. Hein, ses fesses plates là, avec son large bassin là. Parce que moi, je ne touche pas la vie privée des gens. Je prends ce qui est là sur Facebook. Que ce soit sa gabonaise. Chaque fois, je vous ai dit, regardez ce qui va se passer. Quand j'étais arrivé, on voit la gabonaise. Je vous avais dit que la gabonaise fait exprès. Quand vous voyez la gabonaise avec Amer Kamer, c'est parce que ça ne veut pas laisser Amer Kamer avec la voiture. Ok? Sinon, il va rentrer quand il veut. Donc, il faut que ce Kamer lui a dit, hein, qu'il go d'où, dès que sa bolée, il récupère la voiture, lui, pas laver les mamies.
La main camé, c'est un marmitier. Ouais. C'est un marmitier. Modestine Djandjoum, quand vous voyez une gars comme ça là, une gars vulnérable, elle est venue ici à Paris. Elle a rendu Dougoutigui marmitier. Il était toujours là avec un gilet, une cravate, un coupe-machette, avec un silet doré. Il n'a jamais de chemise avec des boutons. Avec Kamel, c'est toujours des manchettes. Et une gars te rend marmitier. Et ça prend ton. Ça dit ton, ta TV, ça dit ce que ça veut. Modestine ne permettait même plus à Amel Kamel de parler dans son groupe direct. Au moins, on ne les voit pas. La personne qui a marqué le commentaire là, au moins. C'est pour ça que j'ai dit, l'accusé, Wario, tu dois mettre un babouin et des gants. Ouais. Ou alors tu arrêtes de faire les directs en cuisinant. Hein? C'est vous qui êtes, vous êtes là. Vos corps démangent. Hein? Mimiaïa, vous grattez de partout. Hein? Qu'est-ce que c'est cuisinier là? Hein? Et vous n'avez même pas de belles mains. Hein? Il faut voir Ndale là-bas avec les doigts comme voilà un écrasé de poison. Il hein? Faut arrêter ça. Vous allez mettre les gants. Ouais. Regardez Ndale, ce que Frélil a fait Ndale. Allez sur ma page, allez écouter Frélil. Hein? Même la langue de Frélil est devenue une djimda, la langue pour imiter Ndale. Bla 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 bla. Ah non, mais les trois tribunes, alors, quand elle dit qu'elle veut parler calmement, Bebela les mimba de ça. La petite nga tribune là. Elle a décrit Ndale. Les trois tribunes, parfois elle te yamou, mais parfois tu déranges. Quand les trois tribunes, quand elle veut convaincre le public, à nous, Wama, c'est le top. Elle a appuyé à Mané Ndale. Elle a dit à Ndale, n'est bipolaire. À Ndale peut te dire qu'il fait jour. Dehors, mais les trois tribunes. Ça dit, les trois tribunes, elle a un petit corps innocent. Il dit que. C'est la carte de Ngake. Ngake, si on vient prouver que les gens ont dit des bêtises, on va d'abord mettre les côtés que non, celle-ci. Elle a fini avec Koti Kata, si c'est Koti Kata. Ouais, quand les trois tu viennent un petit polo, même Karuna, allez, on va la placali de ça. Quand elle veut, mais mon ami, quand elle va alors, ou alors, quand elle veut expliquer, quand elle veut essayer de vous convaincre qu'un non, si elle est passée chez Messang, c'est parce que, il faut voir à que passe. Je dis que, mais, mon ami, et les Indales veulent venir jouer avec la carte là. Ce n'est pas comme les framponnements de Mafou, parce que dans mon colis, les framponnements de Mafou, ça fait un peu rigoler, mais, les trois qui viennent. Et tu vois une gars. Hein? La rose 237. Sa silhouette, ça prend au moins 4 étoiles qui viennent. Peut-être 8 même. Hein? Imaginez-vous. Hein? Il suffit seulement que les trois qui viennent. Deux petits mots. Pac, la rose est finie. Hein? Elle attaque tout le monde. Et toi qui viennent, dis-moi aussi. Vous êtes même comment? Il y a la mendiante qui fait ta pub.
voilà, qui fait ta pub. Et la mendiante, voilà, elle avait la rosée de sang. Vous faites comment? Vous dites. Vous faites comment, non? Véronique Amadouga Bigop, c'est toi qui viens. Au Canada. Mais Jean, quand tu veux framponner les toits qui viennent, hein, il ne faut pas framponner façon. Les toits qui viennent, au Canada, vous voyez du camel lille, un moment il est en haut, un moment il est en bas. Quand les toits qui viennent parlent du camel, ça dit, ça ne. Il y a un camel et bois, ça finit souvent avec. Et tu vois donc alors, rien que le doigt de la rose 247, c'est le corps de l'étoile tribienne. Hein? S'il y a des défis, hein, la rose peut. Ouais. Bruce, bigam, attends. Dans 2 minutes. Donc, il y a 2 cuisiniers là sur la toile. Parce que je ne vois pas avec ça avec les autres. La dose est 247. La prochaine fois, tu fais une sortie. OK? Un babouin élégant. D'abord, tu n'as pas de belles mains, tu as pas de beaux doigts. Tu comprends? Ça veut dire, tu ne peux pas faire une 30 secondes sans ouvrir ta bouche. Parce que vous avez une mauvaise respiration. Ou son ventre là, elle ne respire plus bien. Donc, ça veut dire, tellement vous aboyez devant vos trucs là, que vous faites là. La salive, tout ça là. Et vous, nous ne maîtrisons pas vos critères de santé, vos examens. Hein? Parmi vous, vous avez comment on appelle ça là, des syphilis dans les langues. Hein? Et bien, chaud de pisse et bien, consort. Tellement vous respirez mal. Hein? Tu crois quoi la rose? Tes narines sont bouchées. Tu crois que les maladies là vont sortir d'où? Quand tu arrêtes ça, vous allez porter des gants et des babouins. Ou alors, vous allez arrêter de faire des directs en faisant à manger. Hein? Veuve, on dirait que le colis que je t'avais envoyé là, hein, qui avait framponné ton ganda, il avait fallu que moi-même je revienne à ton ganda pour que ça recommence. Il t'avait dit, depuis que moi je suis quitté derrière toi, regarde le ganda. Regarde le ganda. Il suffit que je remette pied, tu vas voir. Vous voyez? C'est mon sang. Tu comprends? Donc, tu vas mettre les gants et arrête de dire que oui, ta peau s'est déjà transformée, tu comprends, non, en éclat de ruche. Tu mens, tu le files. Au blé, si Kobani Kumgan, avec les ongles comme un écrasé de poison, tu vas arrêter ça. Tu vas mettre des gants et un babouin, toi la rose joyeuse. Voilà. Et toi la rose de 237, la façon que tu mets tes brochettes là, avec tes djimdois là, avec des mycoses entre les ongles, tu vas porter, vous allez porter les gants. Donc, merci. merci. Eh, anormal, les cas de ruches de ça. Je suis quand même zig là. Eh, Lydie Fréquen, big up. Lydie, je vous ai envoyé le colis, allez commenter. Les trois qui viennent à finir avec. Donc, big up.